Ah, et c'est Bijou qui sonne. Allez, on creuse! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'unboxing et le test de ce détecteur de métaux d'une valeur de 70 euros. Donc, on est sur de l'entrée de gamme. La partie qui détecte, le mode d'emploi, la partie commande. Donc, la commande fonctionne avec deux piles 9 volts. Alors, on va monter tout ça. Alors la light, ça sert à allumer en cas de fouille nocturne. Power, ça sert à l'allumer et l'éteindre. Là, c'est pour augmenter la sensibilité. Et le bouton disque, c'est pour sélectionner les choses que l'on veut rechercher. Donc hein, le premier, il s'agit de la ferraille. Le deuxième, il peut y avoir de l'or ou de l'argent. Et là, c'est uniquement des pièces. Voilà, voilà. Donc on se retrouve dehors pour le test. Là. Ah, et c'est Bijou qui sonne. Allez, on creuse. Trouvé une pièce de 5 centimes. De quelle année? De 1993. Ah, bravo. Début de la fortune. Allez, vas-y, continuez, faut trouver le trésor. Résultat des fouilles. Eh ben, écoutez, c'était très chouette. Je vous dis à bientôt. Salut. Vas-y, mets là-dessus. C'est ça, là. Là, le truc, là. Allez, vas-y, ouvre. Ça? Oui. Bah, c'est pas... C'est un anneau en fer. Ah, c'est une bague d'ogre. Bon, allez. Enlève-toi.